Bonsoir à tous, bonsoir chers Africains, bonsoir chers résistants et à tous les panafricains résistants. Je fais cette vidéo, ce live, ça va un peu tardivement. Excusez-moi, bon, il y en a qui de l'autre bout du monde sont en jour et nous en nuit. Donc si je fais très rapidement ce live, c'est pour interpeller les uns et les autres sur la tenue de la COP23 qui se tiendra à Bonn. Donc, juste pour rappeler que la conférence, bon, ils appellent la conférence climat de l'ONU, se tiendra à Bonn. À partir du 15 jusqu'au 16 novembre 2017. Donc moi j'essaie de faire ce live juste pour interpeller nos résistants, qu'on puisse faire quelque chose, parce que nous savons que nos dictateurs seront à cette COP23 à Bonn. Donc s'il vous plaît, si nous pouvons nous organiser pour nous retrouver nous aussi à la COP 23 à Bonn. Donc, il y en a qui vivent en Allemagne sur place. S'il vous plaît, essayez de vous organiser pour leur réserver un accueil chaleureux à notre manière, parce que nous devons les pourchasser. C'est des wanted, ils sont recherchés pour crimes contre l'humanité. Ils nous pillent, ils nous tuent, voilà. Donc, nous ne devons pas les laisser tranquilles. Donc, j'ai déjà publié sur ma page Facebook. Et puis, voilà, bon, c'est vrai que c'est pas une photo où on peut voir tous les dictateurs, mais au moins, on peut les reconnaître. Vous allez voir, ça sont des sous du Congo. Vous allez reconnaître le grand bandit du Gabon. Vous allez reconnaître l'autre grand voyou de la Côte d'Ivoire. Donc, vous allez les voir sur la photo que j'ai publiée sur ma page. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire aux résistants, aux panafricains qui luttent contre les dictatures en Afrique. Voilà mon message pour dire aux uns et aux autres qu'on puisse s'organiser pour aller accueillir ces dictateurs-là, à notre façon. S'il vous plaît, organisons-nous. Voyons ce que nous pouvons faire. La lutte continue, nous ne lâchons pas. Tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont au pouvoir, nous ne devons pas les laisser tranquilles. Voilà, c'est mon message. Et courage à tous. Nous allons y arriver. C'était ça mon message pour la COP23. Allez, à bientôt.